Alors, petite vidéo des bébés chouchous de maman Odamé, donc née le 20 juin. Donc, je fais une petite vidéo pour vous montrer que tout le monde dort. Et vous allez voir, quand je vais rentrer dans la caisse de Misba, tout le monde va croire que ces mamans, ils vont chercher à téter comme des fous. Ou dès qu'ils entendent ma voix, maintenant, ça y est, parce que ben, ils nous entendent, ben, vous voyez, ça commence à bouger. Le mâle fauve collier rouge est déjà en train de. Il m'a senti déjà, il m'a entendu. Du coup, quand je vais rentrer, vous allez voir, ça va être la cohue. Pendant ce temps-là, ça dort paisiblement. Ah, ça y est. T'as l'oreille fine, toi. Donc ici, on a la femelle collier rose. Le mâle collier violet qui pionce aussi. Les petits yeux sont toujours bien ouverts, hein, pas de soucis. Donc ici, on a le mâle collier orange qui pionce. Ça y est, va me réveiller tout le monde, le collier rouge. Ici, on a le collier noir. C'est dire quand on se réveille. Hein. Le mâle collier bleu. Et le mâle collier jaune. Alors là, voilà, ça y est. Vous allez voir. Donc là, le mâle collier rose. Le mâle collier rouge. Et ça y est, tout le monde est réveillé. Le mâle collier bleu. Le mâle collier violet. Coucou mes petits loups d'amour. Bonjour, bonjour. On faisait des gros dodos. Le mâle collier noir. Le mâle collier orange. Donc vous voyez, ça y est, bah maintenant on monte dessus, tout ça. Hein. Ça va, tout va bien. La vie est belle. On grandit bien. Tout le monde pousse bien. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Voilà, voilà. La femelle collier rose. Le mâle collier bleu. Le mâle collier orange. Le mâle collier noir. Le mâle collier violet qui est à monter sur moi aussi. Oui, le mâle collier jaune. Je vais les prendre un par un après. Juste pour vous montrer. Ça va drouille, ça y est, c'est parti. Ça commence à chahuter tout doucement ensemble. Bon, c'est pas tôt à cet âge-là. Hein. C'est encore. Les petites dents commencent à arriver. Oui, oui, mes bébés d'amour. Vas-y, mes bébés d'amour. On va se mettre de l'autre côté pour vous voir. Sinon, vous vous voyez pas. Oui. Oh, vous êtes déjà tous là. Un mâle collier orange. Femelle collier rose. Mâle collier rouge. Mâle collier violet. Ah, une attaque de chouchou. Une attaque de bébé chouchou. Mâle collier violet qui m'a crié. Mâle collier bleu. Mâle collier noir. Mets-toi là, Lolo. Mâle collier rouge. Femelle collier rose. Oui, 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 mes petits bouts. Oui, oui, oui. Alors, on va commencer aujourd'hui. Roulez, boulez, mon chéri. On va commencer aujourd'hui. Une petite bouillie. Je vais vous faire une petite vidéo juste après. Mais alors, vous allez les voir propres sur cette vidéo-là. Et après, vous allez voir les bébés tout sales. Parce que ils vont marcher dans... Parce que en premier, tout au début, on met dans des petites assiettes plates. Hein, parce que ils découvrent. Donc, ils marchent dedans, tout ça. Après, on passe sur des nourrisseurs, vraiment des gros nourrisseurs. Donc ça va mieux parce qu'après on intègre de la croquette sèche et tout ça. Et pour avant les départs, on habitue nos bébés à manger individuellement. Comme ça, ils n'ont pas ce problème de ne pas manger quand ils se retrouvent tout seuls.
chez leur nouveau maître. Donc les chiots partent de l'élevage et ils sont vraiment habitués à manger individuellement. Bon, on passe un temps monstre, mais je trouve que c'est beaucoup mieux pour le chiot. De un, parce que ben ils sont vraiment la quantité qu'ils doivent avoir. Hein, parce qu'après, quand il y a des plus gros, des plus petits, ben, forcément les plus gros mangent plus vite et tout ça. Donc les chiots partent de l'élevage, il y a vraiment sa portion et ils sont habitués à manger individuellement pour pas avoir de problème de boudage de gamelles. Donc mâle collier noir. Attends mon chéri, mets-toi là. Mâle collier orange. Mâle collier violet. Oui, il fait le roi lion lui. Je suis le maître du monde. Et montrer ta petite bouille. Coucou. Coucou. Bonjour mon chéri. Ma gueulette. Trop mimi plein d'amour. Trop mimi plein d'amour. Qui c'est qui vient montrer sa gueulette? Toi? Alors, t'es qui toi? Viens ici. Ah, mâle collier orange. Mâle collier orange. Passe la langue, mâle collier orange. Ouais, mon chéri. Trop mignon, comment ça évolue. C'est super intéressant. Alors, toi, allez, viens, ma fille. La femelle collier rose. Coucou. Coucou. C'est moi. C'est moi. Alors, à toi. Viens, mon chéri. Un mâle collier noir. Oh, il aime pas quand j'obtiens comme ça le collier noir. Voilà. Bye. On dit tout fatigue, le maman. Tu nous as réveillés, alors maintenant, il faut que tu nous donnes à manger. Hein. Qui j'ai pas montré? Mâle collier jaune, je crois. J'ai pas montré. Viens, montrer ta boubouille. Attendez, parce que tenir la caméra, prendre le chiot, plus je veux pas qu'il se fasse mal à monter sur moi et qu'il tombe. Alors, le mâle collier jaune. Donc, le jaune, le orange, le noir, ils sont au même poids. Ça joue à 10-20 grammes près, donc c'est vraiment rien à cet âge-là. Hein. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Alors, ici, on a le mâle collier rouge, mâle fauve collier rouge. Aïe. Voilà. Alors ici, et sur tout ça mes jambes. Ici on a le mâle collier bleu. La grosse tête, il aime pas quand je le tiens comme ça non plus. Mâle collier bleu. Je crois que j'ai montré tout le monde. Et puis après, ben, ils sont tous sur moi. Tous sur maman. Tous sur maman, mes bichous. Mes bichous d'amour. Mes gueulettes. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça évolue super bien. Le mâle violet qui monte sur le dos. Mâle collier orange. Femelle collier rose. Après, ça va drouille. Ça va drouille bien, ça y est. Petite queue bien droite et tout. Maintenant, si j'arrive et je claque un peu trop fort la porte, ou ils aboient d'un coup. C'est collier bleu. Oui, on va faire une vidéo après avec la pâtée, vous allez voir. Oui. Collier violet. Boum, badaboum. Ah, mon chéri. Oh, mon chéri. Un petit roux là-bas, mon loup. Dis-toi, maman. Qui m'appelle? Ah, si vous me grimpez dans les bras et tout, c'est pas possible. Ah, les attaques de chouchou. C'est des bébés chiens. Tous les bébés chiens. La petite femelle collier rose. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, tout le monde va super bien. Tu cherches à titer? Ah, déjà les petites dents, là, ok. Maman va pas apprécier ça. Maman, elle fait la tête après quand ils ont les petites dents parce que oh, je sais pas si on voit bien. Imaginez. Les petites dents là, qui arrivent. Oh, les petites dents. Les petites dents, les beaux zizi, maman. Il y a des beaux zizi, mon chéri. Voilà, voilà. Non, ma gueulette. Ils sont super beaux. Super beaux. On est content. Oui, il faut que
faut que je m'occupe de toi. Oh oui, monsieur orange. Faut que je m'occupe de toi. Oh, monsieur rouge qui arrive à monter. Donc voilà les voulous. Je vous fais une vidéo tout de suite après. Avec la première bouillie. Alors, vous allez voir la catastrophe. A tout de suite. Alors, une petite chanson pour finir. Il faut une petite chanson pour finir. Une petite chanson pour finir. Pour dire au revoir. Voilà les voilous.